Dans son atelier chez toi, Sophie Wery travaille sur un nouveau costume destiné aux plus célèbres des Bruxellois. Vous connaissez par cœur les dimensions de Manneken Pis ? Pratiquement. Je pense que le pantalon, je peux le faire les yeux fermés, oui. Couturière officielle de Manneken Pis depuis 5 ans, cette costumière professionnelle entame son 50e vêtement. Un habit très spécial pour elle, puisqu'il est offert par Berken-Sainte-Agathe, sa commune de résidence. Là, je suis sur un des accessoires, c'est le foulard. Donc, c'est une tenue aux couleurs de Berken, évidemment, avec le blanc et le vert, vert turquoise, qui symbolise les espaces verts qu'on a en abondance dans cette commune. C'est en répondant à un appel à l'aide pour réajuster un costume de Manneken Pis que Sophie se fait remarquer par la ville de Bruxelles. Séduite par son talent, la couturière officielle lui propose de lui succéder en 2016. Que ce soit pour les 60 ans de Gaston Lagaffe ou célébrer la francophonie, chaque pièce est unique, mais certaines lui ont donné plus de fil à retordre. Par exemple, le costume de Michel Polnareff, qui a été réalisé avec des rubans de paillettes. Donc la difficulté était que l'aiguille de ma machine à coudre glissait constamment. Donc j'ai cassé quelques aiguilles. Et avec la crise sanitaire qui a quelque peu ralenti le folklore, Sophie a du pain sur la planche à repasser. En moyenne, la couturière produit 15 nouveaux costumes par an. Celui de Berken-Sainte-Agathe sera le 1082e à intégrer la garde-robe officielle de Manneken Pis le 19 février prochain.